frôlé par les ombres des morts, sur l'herbe où le jour s'exténue, l'arlequine s'est mise nue, et dans l'étang mire son corps. Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire. Le ciel sans teinte est constellé d'astres pâles comme du lait. Je vous demande pardon, monsieur, je vous avais un petit peu oublié. Ah, mais c'est bien compréhensible. Alors, vous disiez que vous ne réclamiez pas. Non, vous n'y pensez pas. Je suis bien trop content que vous acceptiez de me vendre des livres. Non, voilà. Dans le livre que vous m'avez vendu hier, j'ai trouvé une... une lettre qui vous était adressée. À moi? Vous êtes bien mademoiselle Indiana Grey? Oh, oui. Ah, alors il n'y a pas de doute. Et vous l'avez lu? Oh, non. Et puis l'enveloppe n'est pas décachetée. Tiens, c'est bizarre. Oui, ça c'est bizarre. Ce livre m'a jamais appartenu. Ça n'en est que plus bizarre. Vous êtes sûr de ne pas avoir mis la lettre vous-même? Oh là là, sûr. Oh, c'est... Ce sont des vers. Vers pour Diane. L'allusion est transparente. Diane, c'est sûrement vous. Merci. Ils sont jolis. Ah oui. Vous trouvez souvent des lettres en vers dans les livres? Jamais. C'est la première fois. Tant mieux, parce que vous en achetez beaucoup. Je suis sûre que vous n'avez pas le temps de lire tout ce que vous m'achetez. D'autant moins qu'en ce moment, lorsque je lis, je pense toujours à autre chose. Oh oui? Et à quoi? Prochain livre que je vous achèterai. Bonsoir. Depuis quelque temps, je me sens fatigué. J'ai des absences de mémoire, d'ailleurs, vous avez vu. Des troubles de la vue aussi. Souvent, j'ai du scintillement dans les yeux, du brouillard. Il faut voir un docteur. J'ai été en voir un, il m'a rien trouvé. Il me dit que j'ai les nerfs malades. Un changement d'air vous fait du bien. À propos, il se plaît comment? Qui ça? L'amoureux d'Aurélia. Frédéric. Ils se sont peut-être rencontrés ici. Parler ici comme vous. Il redevient fou! Occupé seulement de vos intérêts, vous ne respectez ni la misère, ni la douleur. Mais l'innocence, du moins, épargnez-la. Nikolaï Pavlovitch, il s'agit de votre fille. Regardez ses yeux, regardez son front. Pitié pour elle. Mes chers amis, excusez le prince. Depuis sa maladie, il vit dans un état de grande surexcitation. À l'étranger, où ma maladie m'a retenu 5 ans, j'ai aimé mon pays chaque jour un peu plus. On y parlait de grandes réformes, d'une solidarité qui donnerait une chance de bonheur égale à tous. Ces mots qui font rêver sont sur vos lèvres, mais dans vos cœurs, ils n'ont pas d'écho. Avec quelle bonne volonté je me suis mise en route. Alors tout le monde a compris que je m'étais évanouie. Bon, peut-être pas tout le monde. Vous savez, les gens sont très bêtes. Qu'est-ce qu'on a dû penser de moi? Beaucoup de mal, soyez tranquille. Ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé, moi? Beaucoup de bien. Non, mais j'ai trouvé ça naturel. Ici, personne ne s'évanouit jamais. Et pourtant, Dieu sait s'il y a de quoi. Oui. C'était affreux. Vous voyez bien. Ça m'ennuierait que vous reveniez. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas s'habituer. Eh bien, Jean-Père, où allez-vous? Tenez, vous voyez ça? Ça non plus, je ne peux pas m'y habituer. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Mais non. Tu ne penses qu'à elle, ni à qu'elle qui compte. Et tout ce que je dis t'agace, t'irrite. Même quand je me tais, tu ne peux plus me supporter. Eh bien oui, je l'aime. Pas vrai. Enfin, c'est ma faute à moi. Mais Clavia est tout pour moi, tout. Je ne peux pas vivre loin d'elle. Non, ça je ne pourrais pas. Chaque minute est un supplice. Tu vas me reprocher de t'avoir sorti de prison? Mais oui! Tu aurais bien mieux fait de m'y laisser. Mais c'est terrible, tu passes ta vie à me sauver malgré moi. Tout le temps, à chaque pas. Ton amour est la pire des prisons. Tu oses me dire cela? Je ne voulais pas m'enfuir. J'étais heureux dans mon cachot, je la voyais. Et maintenant? Et maintenant, elle va épouser Crescenzi. J'ai fauché les pommes de terre pour les jouer en privé de dîner. Ça doit arriver aussi. C'était dans une cabane que j'avais installée que je faisais du feu. Elle ressemblait beaucoup à la tienne. Travailler très dur aussi, tu sais. Aussi dur que toi. Peut-être même plus dur encore. Moi, c'était un homme qui me commandait. Et il m'aimait pas.
et tirer de l'eau à une pompe, comme toi. C'est pénible en hiver, hein. Le matin à 5 heures. Tu veux pas parler? C'est une pièce d'or? Eh oui. Et une bonne. Une de la nouvelle fabrique. Ça doit être un fameux homme, ce chevalier Henri. Il paraît qu'il fait de l'or autant qu'il veut. Je voudrais bien qu'il me donne la recette. Chevalier Henri? Quand as-tu entendu parler de lui? On ne parle de personne d'autre dans toute la ville depuis quelque temps. Et d'où sortez-vous? N'as-tu donc pas compris que je n'ai joué que pour toi? Vous m'avez vu dans la salle. Que tu es mignon. Une bonne nuit, dormez, rêvez, moi je prends ma casquette, et puis trois cigarettes dans le paquet. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'inventez pas vous aussi? А что вы мне доказываете, что вы тоже меня не обманываете? Но зачем мне тебя обманывать? Я ведь еще не все забыл, не все потерял. Я иногда кое-что вспоминаю, когда играю на аккордеоне. Воспоминания находятся в моем аккордеоне. Когда я играю на нем, мне кажется, что воспоминания так и льются из него. Vous vous tortillez comme une anguille et vous demandiez grâce entre deux sanglots. J'étais là, au premier rang, avec son Altesse royale, ma femme. Сладострастие, моя малышка. Почему ты так злишься на него? Что для вашей дочери означает сладострастие? Что-нибудь сладкое? Лично я, когда вижу сладострастие, краснею. Возьми эту корзинку, целься лучше, и ты попадешь. Поздравляю эту маленькую девочку, которая попала и выиграла эту шляпу сладострастие. Sono in ritardo, è orribile, mostruoso. Sono imperdonabile. Divento rosso dalla vergogna. E no? Ah, non sono arrossito. Eppure dovrei. Che cosa leggi? Oh, psicologie du conscient et de l'inconscient. E alla rovescia. Lei fa delle letture molto pericolose, signore. Quelle idée avez-vous encore derrière la tête, Vous êtes la seule personne qui puisse y me sauver. Aucune n'a réussi. Ni Marcel. C'est drôle comme il ne faut pas beaucoup de temps pour s'aimer. Si elle crie, il va me sauter dessus. Oh, tant pis, le devoir, c'est le devoir. Je dois prendre cette main et la garder. Un point, c'est tout. Oh, tu as peur, Julien. On y va. Non, minute.
La nuit de 10 heures va sonner. Quand elle sonnera, tu prendras la main. Pas à vous. Non, supplie, laissez-moi partir. Oh, j'ai attendu cette minute trop longtemps. Nous ne connaissions pas il y a une semaine. Cette semaine-là a duré toute une vie. Oh, si l'on entrait, si l'on vous voyait m'en tenir. Tout le monde saurait ce que vous refusez de croire. Tout le monde croirait que je vous aime aussi. Partez donc. Qu'attendez-vous? Vous êtes libre. Je veux sauver notre terre. J'irai partout. Aider ceux qui souffrent par le glaive ou par la croix. Mais je vais partir. Dans la nuit du malheur des Flandres. Ici, Adam, tu seras ma lumière. Vous doutez-vous seulement de ce que vous êtes? Ah non, non, mais je sens que je vais le savoir. Qui suis-je? Dites-le-moi vite. J'ai hâte de me connaître enfin. Ah non, y est pas. Vous êtes directrice du bonheur des dames. Y avez-vous jamais songé? Le bonheur des dames, ce n'est pas seulement une enseigne banale, c'est aussi une formule magique. Votre magasin est en veilleuse. Illuminez-le! Qu'on vienne ici comme on se rend au théâtre ou à une fête. Le commerce de la frivolité est un commerce joyeux, amusant, enivrant, féerique. Oui, c'est vrai que c'est un commerce amusant. N'est-ce pas? Avec vous, oui. Et vous serez servie la première. Jeanne. Je voudrais tant que tu sois heureuse. Si je te rendais malheureuse, je ne le ferais pas exprès. Il faut que tu me croies. Ce serait malgré moi. Je t'aime comme tu es. Je n'ai pas peur. Je suis prête. Достаточно просто сказать мне. Если мадам во мне не уверена... Что? Мадам, вероятно, тут же звонила моей прежней хозяйке. И та, очевидно, говорила брать меня на службу. Вовсе нет. О, мадам. Я позволю себе заметить, что мадам абсолютно не умеет лгать. Монсеньор! Mille grâces, Monseigneur! Que voulez-vous, monsieur? Notez les péripéties de cette partie. Votre réussite est si extraordinaire! Ma récompense. Il y avait une carte d'invitation sur la table. Elle a dû tomber à terre. Nem láttam az arcát. Milyen gyönyörű lehetett, fájdalmas arccal, szomorúan. A szerelemben csupán a gyönyört kerestük. Mindenféle gyönyört. Egészen addig, amíg a gyönyörből nem lesz szomorúság. Azt hiszük, akkor mindennek vége. Pedig nem. Még tovább is lehet menni. Még messzebb. Que deux hommes se livrent un combat sans merci. Un combat où l'amour ne le cède qu'à la haine. Ramon Vasquez, jeune homme ambitieux qui répugne la violence. Tout s'en va, tout s'éloigne, tout passe. Et le plus grand des rois lui-même, à la fin, meurt. Les meilleurs souvenirs à la longue s'effacent, et les chansons seules demeurent, croyez-moi bien.